Bonnie, tu vas polie. Hein? Oh. Ce cercle de cabaret au canard boiteux. Ah, vous aussi? Ah bon? Pourquoi? Bah, voyez-vous... Ça suffit, non? Mais t'as pas vu son genre? Tiens-toi un peu devant ta fille. C'est-à-dire qu'on vient pour... On vient pour l'héritage. Voilà. L'héritage? Quel héritage? Bah, celui du papa, pardi. T'as compris quelque chose, toi? Bah, plutôt, oui. Apparemment, le marquis vient de décéder. Voilà un fils inconnu qui surgit et qui réclame l'héritage. Oh, quelle histoire! Enfin, ma fille, vous êtes ici pour travailler? À quoi rêvez-vous? À des congés payés? Et pourquoi pas? Bah oui, et pourquoi pas? Et ça viendra peut-être plus tôt que vous ne pensez. Des petits gens comme nous en ont assez. Des patrons, des hommes politiques. Les scandales ceux qui nous sont là, ça suffit! Oui, c'est la dernière en date. Des députés qui votent des crédits pour arranger une société en faillite. Vous trouvez ça normal? Et le Stavisky, 500 millions disparus du crédit municipal. Et lui, envolé avec. Et quand on le retrouve, il est soi-disant suicidé. Vous trouvez ça normal? D'ailleurs, tout le monde dit qu'on l'a suicidé, qu'il gênait trop de monde. Et nous, pendant ce temps-là, on triple pour s'y prendre l'heure. Et toutes les dernières nouveautés, pas pour nous, les violons et les retolaveuses. Bah, pas pour elle. Les armoires à froid. Pas pour nous. Et pendant ce temps, monsieur, lui, à la tête. Et le téléphone. Comment, petite fifi? Pas encore sur la scène? Mais voulez-vous répéter plus vite, petite vilaine? Olympios. Adiós, muchachos, compañeros de mi vida, barra querida, de aquel tiempo. Mais qu'est-ce que c'est que ce vacarme? Oh, Adèle. Oh, oh, Séraphina. Oh, mais je rêve. Le marquis n'a qu'un fils, disparu hélas avec son épouse il y a 3 ans, dans un terrible accident de voiture. Il roulait comme un fou, à plus de 60. Rendez-vous compte. Et il a raté un virage. Et pas dans le platane. Oh, ah, Séraphina. Oh, tu n'as pas changé. Partout il y a 15 ans. Pourquoi es-tu parti? J'ai eu peur de m'engager. Alors je suis parti. Mais pourquoi ne m'as-tu rien dit? Ah oui, je sais. J'ai été lâche. Moi, quand tu es parti, j'étais enceinte. Quoi? Oui. Et ma petite Marguerite est ta fille. Ma fille? Ainsi, la vie nous réunit pour nous séparer. Pas vraiment. Oh. Ah, on se reverra. Bien sûr. Pour payer les loyers. Hubert, je vous cherchais, mais je crois que ce n'est pas le jour. Mon Dieu, vous voulez m'éprouver, mais je serai forte et... Oh, Agathe, j'ai un colis pour toi. Bon voilà, j'ai reçu la lettre d'un notaire. Non.